Invité de Télématin ce dimanche 19 février, Michel Thor a découvert des images d'elle très jeune parlant à ses parents, tournées au début de sa carrière, dans les années 60. Des images qui ont eu le don de la bouleverser. Michel Thor fait partie des figures emblématiques de la chanson française. L'artiste de 75 ans se fait connaître du grand public en 1964 grâce à la chanson « Dans mes bras, oublie ta peine ». La même année, Claude François lui propose de faire sa première partie à l'Olympia. Le succès est au rendez-vous pour cette jeune chanteuse qui est ensuite choisie pour représenter le Luxembourg au prestigieux concours de l'Eurovision avec le titre « Ce soir je t'attendais ». Aujourd'hui, elle possède l'un des plus beaux palmarès de la chanson française avec 30 millions de disques vendus à travers le monde, 30 disques d'or, une disque de platine et plus de 450 chansons enregistrées dont une petite française, une vague bleue, Jeanne appelle à la tendresse et le célèbre Emmène-moi danser ce soir. À l'aube de ses 60 ans de carrière, Michel Thor est conviée sur plusieurs plateaux télé dont celui de Télématin, où elle a découvert avec surprise des images d'elle, tournées au début de sa carrière. Un souvenir bouleversant ce dimanche 19 février, Damien Thévenot avait réservé une petite surprise à Michel Thor, des images d'archives d'elle très jeune parlant à ses parents, tous deux décédés depuis. Dans cette courte vidéo, on découvre la jeune chanteuse répondant aux questions d'un journaliste. Celui-ci l'interroge notamment sur la manière dont ses parents l'ont soutenue au début de sa carrière alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente. Des images qui ont eu le don de bouleverser la chanteuse qui ne les avait jamais vues. J'ai eu une chance extraordinaire, a-t-elle affirmé, précisant ensuite que sa mère et sa petite sœur l'avaient accompagnée à Paris au début de sa carrière, quand elle avait 16 ans, tandis que son père, facteur, était resté en province pour son travail. Un soutien indéfectible dans une interview accordée à Nouvelle Vie, Michel Thor avait évoqué la manière dont ses parents l'avaient soutenue pour qu'elle réalise son rêve de chanteuse. Un rêve qui les a menés à se séparer le temps d'un court instant. J'avais 16 ans quand j'ai signé mon premier contrat chez Philips. Il fallait enregistrer mon premier disque et c'est maman qui est montée avec moi à Paris, accompagnée de ma petite sœur Brigitte, dévoilait l'ex de Christophe. Mes parents ont vraiment été extraordinaires de croire ainsi en leur fille, de se séparer quelque temps pour moi. Plus tard, dès que j'ai gagné de l'argent, nous avons loué un appartement et mon père a pu nous rejoindre. Une belle aventure quand j'y pense. Tout ça pour que je réalise mon rêve. Article écrit en collaboration avec Cimedia à lire aussi on a voulu nous opposer, Michel Thor rétablit la vérité sur sa supposée rivalité avec Mireille Mathieu. Thank you.